Bismillah, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vous êtes en parfaite et bonne santé, que le Ramadan se passe bien et bien sûr la vie de tous se passe bien dans le meilleur des cas. Donc voilà, aujourd'hui je voulais, j'ai anticipé en fait un petit panier de dessert. Donc, le panier, c'est le panier, c'est la pastèque. Hein, donc voilà. Comme je l'ai acheté chez le Turc, donc elle était un petit peu fatiguée, cette pastèque. Alors pour éviter de la jeter, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire une vidéo avec, et puis je vais la poupée, la customiser entre guillemets. Hein. Pour pouvoir bien, pour qu'elle se mange, et bien sûr la mélanger à d'autres fruits. Bon, moi j'avais que le melon, le raisin, j'avais l'ananas aussi, mais je l'ai oublié entre-temps, donc voilà. Et bien sûr, on peut mettre tous les fruits que vous voulez, donc c'est juste une idée de départ, et j'espère qu'elle vous servira. Franchement, j'ai posé le panier sur la table, c'est lui qui a été descendu en premier, et le reste, voilà. Donc, franchement, il faut le faire. Il faut manger des fruits, faire de la salade aussi de temps en temps. Et pas tout le temps le pain à la soupe, le pain à la soupe. Et franchement, c'est. Voilà, ça passe vraiment au-dessus, quoi. C'est lourd, c'est lourd. Enfin, bref. Donc, l'idée de départ, c'est de couper la pastèque en deux. Bien sûr, choisissez la pastèque qui soit vaine, ce serait bien qu'elle soit sucrée et qu'elle s'assoie bien. Je veux dire qu'elle est bien, qu'elle ait un beau fessier bien, bien plat. Je sais qu'il y en a qui vont rigoler, mais bon, tant pis. Je veux dire quand on coupe la moitié, qu'elle puisse bien se tenir bien droite. Vous voyez? Parce que celle que j'ai là, j'ai seulement anticipé, c'était pas prévu. Donc j'ai dû essayer de rafistoler un petit peu en dessous pour pouvoir qu'elle se mette bien droite. Et voilà. Bref. Voilà, on va choisir une pastèque, bon, petite, bah, moyenne de préférence. Et on la vide. Hein. On la vide. Et puis on garde bien sûr la pastèque hein, pour pouvoir couper les petits morceaux. J'ai pas pu tout mettre dedans. Mais j'ai dû recharger après et c'est parti. Donc après, je fais un petit décor vite fait. C'est vraiment, j'ai anticipé, hein. Il n'y a rien de préparé. Donc si c'est mal fait, ne m'en veuillez pas. Vraiment, j'ai vraiment fait vraiment feeling, mais alors feeling aveugle. Hein. J'ai fait à l'aveugle. Donc, je me suis dit, ou ça passe ou ça casse, si c'est bien, tant mieux, si ça casse, ben tant pis, on recommencera ultérieurement, donc c'est bien passé, donc voilà, je continue. Ensuite, là, j'ai les raisins, je les ai lavés aussi, donc là, je remplis, en fait, je fais un petit mélange de pastèque, melon, je vous ai dit, vous mettez vraiment les fruits que vous voulez, c'est juste une idée de départ, donc voilà. Voilà, j'ai mis un peu de tout et puis j'avais des raisins. J'aurais pu mettre d'autres choses, mais c'était pas prévu. C'est une recette que j'ai, comme je vous ai dit, anticipée, que j'ai fait vraiment à l'improviste comme ça. Et puis voilà. Donc les raisins, j'ai fait une petite couronne autour. C'est vachement sympa. Comme à la gorge. Et après, vous décorez vraiment comme vous voulez, mais alors franchement, voilà. Et vous posez ça au milieu du ftor, sur la table de ftor, franchement, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, elle s'est passée, tout est parti et j'en suis ravi. Oui, vous voyez, d'abord j'ai posé le panier, et après j'ai coupé la tête de l'ananas et je l'ai mis au-dessus. C'est là, bon, c'est pour vous dire vraiment que j'ai vraiment fait. Voilà quoi. Donc c'était mon panier de fruits. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwadzimbledi. Partagez, likez. Salam alaikum.